La Dolce Vita. Dernier film de notre cycle, consacré au cinéma italien, La Dolce Vita, La douceur de vivre, se situe au sein de l'œuvre de Federico Fellini, entre Les Nuits de Cabiria et le sketch Les Tentazioni del Dottor Antonio, qu'il tournera pour le film collectif Boca 70. Anita Ekberg, qui joue dans La Dolce Vita le rôle de Sylvia, sera d'ailleurs également l'interprète du sketch de Boca 70. Je me rends compte, déclara Fellini à Giovanni Grazzini dans Fellini par Fellini, que la Dolce Vita a constitué un phénomène qui a bien dépassé le film lui-même. Du point de vue des mœurs, mais aussi par quelques innovations. C'était le premier film italien qui durait 3 heures. Et tout le monde, même mes amis, voulait que j'y pratique des coupures. Il a fallu que je le défende de toutes mes forces. Je l'avais fait, comme tous mes films, pour m'en délivrer. Et surtout à cause de mon envie éhontée de raconter. Il me semble, poursuivait Fellini, que l'inspiration, aussi bien pour ce qui était de la formation des images, me venait de la vie, telle que l'a proposée, les illustrait en héliogravure. Ces publications illustrées ont été le miroir inquiétant d'une société qui se célébrait elle-même, en continuation, se représentait et faisait son propre éloge.